Salut, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier vlog sur ma chaîne et ça va être un vlog où je vous emmène avec moi au concert de Dua Lipa à Paris le 15 mai. Donc ce matin je me suis levée à 5h environ et ensuite je suis partie à l'aéroport avec ma sœur pour prendre l'avion pour aller à Paris. Le vol était assez rapide et on a même eu des petites madeleines, donc ça c'est plutôt cool. On a atterri vers environ 9h, ensuite on a pris une petite navette qui nous a amené à l'autre aéroport afin qu'on puisse prendre le bus et après le métro pour se rapprocher de la salle de concert et notre hôtel. Ensuite, tout allait bien, c'était plutôt rapide, on avait trouvé la bonne station de métro. Jusqu'au moment où il fallait passer notre ticket dans la machine. On a bien galéré au moins 10 minutes. Bon non, je suis un peu... 5 minutes, on va dire. Là, c'est le moment où on a un peu galéré, on trouvait plus la sortie du métro. Mais bon, au moins on a vu Dua sur des écrans et ça c'est cool. Après quelques minutes de marche, on est enfin arrivé à l'Accor Arena. On a vu que notre hôtel était pas très loin derrière, du coup on y est allé directement. Et surprise, on a dû attendre jusqu'à 14h pour y déposer nos sacs et se changer. Donc on les a gardés avec nous et on est allé faire la queue. Il y avait déjà 4 personnes avant nous dans la queue, donc là j'ai pas filmé. Donc voilà, on a écrit nos numéros sur notre main. On a attendu environ 3 heures et après on est allé à l'hôtel pour se changer vite fait. Enfin, on a quand même pris une heure, mais bon. Ensuite, vu qu'il allait être 16 heures, on est revenu dans la queue. Donc une fois après le petit contrôle, en fait on nous a donné nos passes avec les petits goodies. Ensuite on a attendu tous à la queue, deux par deux dans un couloir. On entendait au bout d'un moment les soundcheck de Dua qui chantait. Donc elle a chanté genre 2 chansons, mais bon, c'était déjà pas mal. Ensuite, après, on a enfin pu rentrer dans la salle de concert au bout d'une heure. Après être rentré, on a attendu environ 1h30 avant que la première partie de Griff commence. Et ensuite, encore 1 heure pour que cette fois-ci Dua commence. Go to sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you.
in my face. You want what now looks like? Let me give you a taste. J'ai aucune idée de pourquoi cette vidéo existe, mais étant donné que j'ai pas filmé la fin du concert, je fais le petit débrief sur cette vidéo. Du coup là c'était la fin du concert, il restait deux chansons. J'avais plus de place sur mon téléphone donc j'ai pas pu filmer, mais bon c'est pas grave. Du coup après le concert avec ma sœur on est sortis, d'ailleurs tout le monde dansait et chantait, c'était génial. Et il pleuvait donc c'était plutôt pas mal étant donné qu'il faisait hyper chaud à l'intérieur. On est sortis et on pensait qu'il y aurait le merch, mais en fait il y en avait pas. Du coup on a réussi heureusement à rentrer à l'intérieur pour acheter ce qu'on voulait. Il n'y avait pas grand monde d'ailleurs, c'était plutôt cool. Du coup moi j'ai pris un pull et ma sœur la casquette. Ensuite après le concert du coup on est rentré à la chambre d'hôtel où on a mis d'ailleurs des confettis de partout qu'on a nettoyé le lendemain matin. Et vu qu'on était fatigué, on est allé à la douche et on est allé se coucher. Le lendemain on s'est réveillé vers 9h30. On est allé au petit déjeuner et d'ailleurs c'était délicieux, il y avait 12 000 trucs, c'était trop bon. Et on a prévu un petit peu ce qu'on allait faire dans la matinée. On a pris notre sac, on est revenu dans notre chambre, on a rangé et nettoyé un peu les confettis. Et ensuite on est parti. On a choisi d'aller au Marais avant de retourner à l'aéroport. Du coup, on y allait à pied, c'était pas mal, il faisait beau en plus, même si nos sacs à dos étaient un peu lourds. Ensuite, je sais pas trop comment, on a atterri dans un espèce de centre commercial. C'était un peu comme les Galeries Lafayette, sauf que ça s'appelait pas comme ça. Et donc, on a passé au moins 2h30 dans ce magasin, on a fait 3 étages. Le deuxième étage était super cool, c'était vraiment papeterie, il y avait des perles, il y avait vraiment tout ce qu'on avait. Et donc voilà, quelques images de ce que j'ai pu voir. Ensuite, avant de partir pour l'aéroport, on a décidé d'aller manger au McDo. J'ai pris une glace et un iced tea parce que j'avais pas super faim. Au final, on est arrivé environ 2h30 avant que notre avion décolle, donc on est allé à la seule boutique qu'il y avait dans l'aéroport. Et on n'a pas chanté, mais c'est passé plutôt vite, jusqu'au moment où notre avion était décalé. C'est passé plutôt vite, jusqu'au moment où on s'est dit « Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas écrit notre avion sur le panneau. » Et donc notre avion a eu 1 heure de retard. Mais bon, c'est pas grave, on a patienté comme on a pu, et au moins j'ai pu retoucher toutes mes petites photos pour faire des stories du concert. Le vol du retour était assez rapide et en plus on a encore une madeleine. Donc on est arrivé vers 23h environ et ensuite on est rentré chez nous. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vlog de 2 jours. J'espère que ça vous a plu et merci si vous êtes resté jusqu'à la fin. Dans quelques semaines je pars à Londres pour aller voir Conan Gray en concert. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez un vlog pour le concert ou un vlog pour tout le voyage, je sais pas. Mais en tout cas merci.